Bonjour à tous, le cadrage a un petit peu changé là, c'est voilà. Donc je vais vous parler aujourd'hui de Mars et Vénus vécues selon mon expérience, c'est-à-dire sans la présence manifestée du masculin. Et donc Mars, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Alors, dans cette vidéo, je vais expliquer comment je fonctionne. Je prends un passage tous les jours et je lis et j'interprète pour faire la paix avec mon masculin et féminin intérieur. Alors, je suis tombée aujourd'hui sur le passage où on explique que l'homme, quand il a besoin de trouver des réponses à une difficulté, à une expérience, il va s'isoler. Il a un besoin de s'isoler. Quand il a ce besoin de s'isoler, qu'il ait vécu ou pas une expérience malheureuse, mais quand il exprime ce besoin de s'isoler, la femme peut être effrayée parce qu'elle va se sentir abandonnée et rejetée, surtout si elle a eu une expérience où elle a vu sa mère se faire rejeter par son père, etc. Si elle a eu des expériences traumatisantes. Tout simplement parce que l'homme ne sait pas exprimer le fait qu'il va revenir. Donc l'homme, pour la femme, il est très important que l'homme puisse rassurer sa femme. Quand on est dans le cas du masculin et du féminin intérieur, comment j'ai interprété ça? Ce n'est que mon interprétation, je ne suis pas une experte. Je n'ai pas parlé avec des coachs de qualité et de renom à ce sujet. Comment je l'interprète? C'est très simple pour moi. Lorsque je suis dans une situation difficile où je vis un challenge, une épreuve, par exemple, ça va être très, très terre à terre, les fusibles de mon appartement ou de ma maison ont sauté et j'ai beau cliquer sur le bouton pour le faire remonter, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, je vais contacter mon masculin pour lui demander une solution. Sauf que j'ai l'impression que mon masculin ne répond pas. Et à ce moment-là, il me faut du temps, il faut que je me calme, etc., pour accueillir la réponse de ce fameux masculin, qui lui croit qu'il sait tout, qu'il n'a pas besoin d'aide, et préfère trouver la réponse par lui-même. Ensuite, une fois que je me suis calmée, la solution va arriver. Peut-être pas dans la minute, là, expressément, la solution va arriver. Une fois que j'ai fait ce travail-là, que j'ai rassuré mon féminin en disant je suis en train de chercher, le féminin se calme et les solutions...